Hey, salut tout le monde, c'est Axel Éponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous montrer comment créer une hache forestière avec le bois souple. Je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout et étape par étape pour bien comprendre le tuto. Pour commencer, nous avons besoin de tiges de bois. Ensuite, nous avons besoin des os. Une fois que j'ai les deux éléments, je vais construire une hache forestière deuxième niveau, c'est-à-dire atypique. Une fois qu'on a la hache, il faut aller dans la grotte plus proche possible pour aller chercher le bois neigeux, comme ceci. Voilà. Alors, combien j'en ai comme bois neigeux? Allez, une quinzaine, ça va largement suffire. Maintenant que j'ai le bois neigeux, je vais tout simplement devant la machine de scierie et transformer le bois neigeux en tige de bois neigeux. Je récupère le tige de bois nouilleux, ça devrait suffire. Et maintenant, il me faut encore des os. Une fois que j'ai les os, je peux faire enfin la pioche en verre. Comme ceci. Maintenant que vous avez la pioche, il faut monter au sommet des montagnes. Je peux enfin piocher le gemme. C'est l'élément le plus important pour créer la hache. Une fois que vous êtes au campement, mais bon, après, il y a plusieurs étapes encore à faire, hein. Je vous montre vite fait ce qu'il y a à faire. Donc, vous devez créer ce tailleur de gemmes. Donc, il faut bloc de marbre, ambre. Donc, ce que j'ai pris, c'est pas assez. Enfin, c'est assez pour construire le tailleur de gemmes, mais c'est pas assez pour justement créer pour construire la hache. Donc, après, griffe de sable et carapace de sable. Bon, moi j'ai déjà fait. Pour moi, c'est juste ici. Voilà. Donc, si j'ai envie de faire tailler l'ambre, je clique juste ici. Mais comme j'en ai déjà, il faut juste que je pioche dans le coffre. J'en ai plein. Voilà. Une fois que j'ai il faut ambre taillée, il faut juste que je récupère tige de bois nouilleux. Donc j'en ai juste ici. Et maintenant, voilà, j'ai la hache forestière qu'on peut couper les cactus avec. Comme ceci. Je vais tester avec vous si ça marche. Voilà, ça coupe bien la hache. Il fait bien son taf. Donc avec cette hache, on peut presque tout couper, du moins tout ce qui est bois. Donc là, je viens de couper bois souple, bois de cactus ou alors bois souple. Vous avez vu? Regardez, ça coupe plus vite les bois normaux. Avec bois souple, ça prend un peu plus de temps, mais avec les bois normaux, ça va plus vite. Voilà. On peut même utiliser pour se défendre, hein, contre des monstres. Voilà. Voilà. Donc, ça s'appelle hache forestière, mais il y a juste la description qui change. Une hache solide fabriquée avec des... avec de l'ombre.
Et voilà, mes amis, ce tuto se touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur like, de commenter cette vidéo, de partager. Toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!